ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا معشلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله Sallallahu wa la louange et la gloire, et la gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur du monde, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad. Sallallahu alaykum wa sallam sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Suna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation des gens du paradis en vous disant, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soit sur vous et qu'Allah nous comble de ses bienfaits, et de sa grâce, qui nous accepte parmi ses meilleurs serviteurs, qui nous guide tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, depuis le début de ce mois, nous avions abordé une partie de la vie du prophète Mohammed. Nous avions essayé de vous apporter la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions parlé de sa mission, de son immigration à Médine et du Coran et de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer de la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un miracle aujourd'hui le mois s'approche vers sa fin puisque ce mois est considéré comme le mois du prophète mohammed il est évident que nous abordons avant la fin du mois la mort du prophète mohammed il faut d'abord souligner que la communauté musulmane a connu beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés, mais aucune tentative, aucune preuve, aucune difficulté ne peut être comparée à la mort du prophète Mohammed. Le prophète constitue pour les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout. C'est de lui qu'il recevait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vers lui que tout le monde se réfère pour avoir les informations sur tout le problème. Et c'est lui qui leur apporte la lumière et la guidance. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyaient en lui toute leur vie et n'acceptaient rien à part ce qui venait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui fait que le jour où ils ont appris sa mort beaucoup d'entre eux beaucoup d'entre eux n'ont pas accepté beaucoup ont même perdu la tête beaucoup ne pouvaient même pas parler beaucoup étaient écroulés à la place même où ils étaient ils ne pouvaient pas avancer un pas. Ce qui veut dire que la mort du prophète Mohammed alayhi wasallam, pour les compagnons du prophète était l'événement le plus douloureux de leur vie. Alors, il est important que nous-mêmes nous essayons de revivre cet instant, d'essayer de voir quel était le degré de cette douleur que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient pour que nous-mêmes de notre côté, nous essayons de nous apaiser face à nos différents problèmes et nos différentes difficultés, puisque rien et rien ne peut dépasser la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dans nos cœurs. Peut-être, en écoutant cet événement et ces moments douloureux, nous allons Beaucoup apprendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Et nous allons aussi être apaisés et soulagés en se rappelant de ceux-là aussi que nous avions déjà perdus, qui sont déjà partis, qui sont les bien-aimés pour nous et qui ne sont pas à la hauteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa le prophète nous a déjà dit dans le Hadith, ma communauté ne pourra jamais connaître des difficultés qui vont dépasser celles que j'ai connues. C'est pour cela que notre émission d'aujourd'hui sera autour de la dernière maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son rappel à, à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un jeudi, douze jours, jour pour jour, avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète est allé participer à un enterrement d'un compagnon qui était mort. Après l'enterrement, et comme vous le savez bien, la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas si loin du cimetière de Médine que nous appelons Al-Bakr qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Après l'enterrement, le prophète Muhammad sallallahu wasallam, a pris le chemin de sa maison. C'est au coup de route que le prophète a senti le maux de tête atroce. Et une fatigue qui l'a envahi dans tout le corps, où le prophète ne pouvait plus tenir debout. Son corps a commencé par chauffer, mais les compagnons qui étaient avec lui ont constaté la fatigue que le prophète ressentait et ils l'ont tenu par la main jusqu'à ce qu'on l'ait amené à la maison. C'est depuis ce jour que la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a démarré et cela a duré 12 jours. Il faut signaler que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam a ressenti la chaleur dans le corps, les maux de tête, la fatigue, le prophète a prononcé une phrase. <coughs> Où le prophète a dit ceci. Le poison que j'ai mangé à Reybar chez la dame juive ne cesse de me créer de la douleur dans mon ventre. Mais cette fois-ci, il me semble que ce poison veut couper mes nerfs. C'est ce propos qui a amené beaucoup d'historiens à juger bon que les juifs qui ont l'habitude de tuer les messagers et les prophètes juifs sont aussi à la base de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Parce que le poison qu'ils qu ont mis dans le repas présenté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et comme nous l'avions dit par le passé, le morceau de viande empoisonné a parlé pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que je suis empoisonné, ne me touche pas. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mangé pour prouver à ses juifs que le poison, bien que ça a sa, a son effet, peut ne pas l'avoir. Sauf si Allah subhanahu wa le décide. On l'avait déjà bien expliqué par le passé. C'est par l'ordre d'Allah que le prophète l'a fait, puisque elle avait prouvé à ses gens que la mort c'est dans ses mains et non dans les mains de qui que ce soit. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith nous informe que bien que ce poison n'a pas eu effet immédiat au moment où il avait mangé la viande, ce poison a eu d'autres effets secondaires dans son corps, et il a ressenti et cette douleur le parvient à tout moment, puisque en quelque sorte le prophète, bien qu'il soit aimé par Allah, bien qu'il a plus de valeur plus que tout le monde, mais il n'aime -ma. Comme le Coran le répète tout le temps. Et le prophète même le dit. Je ne suis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Ce qui vous arrive, m'arrive aussi. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce poison ne cesse de me créer de douleur. Et j'estime que la façon dont cette maladie me prend me fait ressentir que c'est comme si cette maladie veut me créer d'autres soucis. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a commencé par sentir cette malaise. Il faut toujours confirmer que les juifs sont une communauté qui aime bien la trahison et qui aime bien faire du mal à celui qui n'est pas leur allié ou bien qui n'est pas sur le, la même ligne avec eux. C'est ainsi que cette maladie a démarré. Petitement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Mais cela n'a pas empêché le prophète d'atteindre les prières, de participer aux, aux différentes activités habituelles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa avait l'habitude de faire. Mais ceci, jusqu'au mercredi, Cinq jours, jour pour jour, de la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, chers téléspectateurs, la chaleur a augmenté dans le corps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la douleur a repris de façon plus dure, plus pénible. Pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète s'est évanoui ce mercredi. C'est là que le prophète a demandé à son entourage d'aller lui apporter de l'eau. Et selon le hadith, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé qu'on lui apporte de l'eau de puits. Et il a dit d'aller puiser de sept différents puits de Médine un bol d'eau pour qu'il puisse se laver avec et verser celui, ne serait-ce que pour qu'il puisse avoir de l'énergie et de la force pour présenter son dernier serment à ses compagnons. Le professeur Lohaleh cela dit, trouvez-moi de l'eau pour que je puisse livrer mes messages à mes compagnons. C'est ainsi qu'on lui a apporté de l'eau et il a versé ça sur son corps, sur sa tête. Et il s'est senti mieux à l'aise. C'est à cet instant que Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wal Abbas, qui est aussi l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous deux, ont tenu le prophète Mohammed sallallahu wa d'un côté à la base de l'autre côté tous deux l'ont pris par ses bras et le prophète ne pouvant pas marcher très malais les pas de sa maison jusqu'à l'intérieur de la mosquée il faut savoir que la maison de Aisha, là où le prophète Muhammad alayhi wa sallam, a passé ses derniers jours, puisque lorsque la maladie avait commencé, le prophète a rassemblé ses épouses pour leur demander la permission de le permettre de passer ses jours avec Aisha dans sa maison. Et, ça, 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 tenez-vous tranquille, les chambres des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient collées à la mosquée. Ce qui fait que le prophète est sorti de la, de, 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 de la maison de Aïcha et Ali ibn Abi Talib et à la base, tous deux le tenaient pour le faire rentrer dans la mosquée. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, il s'est assis sur le mimbar pour délivrer le, 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 son, son serment et le compagnon. On constaté la fatigue sur le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Et ils ont vu que la maladie l'a beaucoup abattu. Et tous, tous ont dirigé leur regard vers le prophète pour écouter son dernier serment. C'est là où le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam a livré ceci. Le premier point, le prophète a dit que la malédiction d'Allah tombe sur les juifs et les chrétiens qui ont transformé les tombes de leurs prophètes comme mosquées et lieux d'adoration. Et le prophète met en garde sa communauté et interdit rigoureusement à sa communauté de prendre sa tombe comme un lieu d'adoration, un fétiche que les gens vont adorer après lui. Bien qu'aujourd'hui... Beaucoup de musulmans visitent des tombes un peu partout dans le monde. Ce qui ne correspond nulle part avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu wasallam. Deuxième message, par le prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé sur ses relations avec tout le monde, avec tous les compagnons, pour leur dire, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut déjà arriver de moi que j'ai pris le bien de quelqu'un par erreur, par mégarde ou ce dernier a constaté que c'est le prophète qui a pris mon bien. Je demande à quelqu'un que j'ai pris ses biens de venir prendre ses biens de moi. S'il m'est arrivé que j'ai frappé quelqu'un, j'ai fouetté quelqu'un qui constate que c'est injustement que je l'ai fouet que je l'ai fouetté. Je donne mon dos pour chacun de vous de venir me fouetter et prendre sa revanche en moi à l'instant même. Et s'il m'est arrivé que j'ai injurié quelqu'un. Me voici devant vous tous. Que ce dernier que j'ai injurié se présente pour répondre à ses injures et prendre revanche sur moi. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit en invitant tous ses compagnons à faire cette rase sur tous les comportements qu'il aurait comportés avec eux tout le temps qu'il aurait passé sur cette terre. Et personne parmi tous les compagnons N'a rien à rapprocher, à reprocher au prophète Muhammad alayhi wasallam. Il est le meilleur homme jamais connu sur la terre. Et Allah l'a qualifié dans le Coran. Tu es d'un caractère énorme. Tu es au-dessus de tout le monde en matière de caractère. Personne ne t'égale. Mais malgré cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa veut être dégagé définitivement. Parce que nous connaissons bien dans le hadith que parmi les grandes œuvres qui vont amener les gens dans le paradis, c'est avoir le cœur dégagé. De toute injustice vis-à-vis -vis de qui que ce soit. De ne pas porter la haine contre qui que ce soit. Et le prophète a témoigné du paradis pour ceux-là qui ont déjà le comportement d'un homme du paradis sur la terre. C'est-à-dire celui qui ne porte jamais de la haine, qui ne porte jamais de rancœur dans son cœur contre qui que ce soit. Nous reviendrons après la pause qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Ikunite mu ina ni kan Sunna TV. Ni bi mimi islam la tore Sunna TV. Imole sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni gbogbo igba ni ke mawo wa. Ti esu mari e ko esiko. Buruki kan ni yi TV. Et dans mon nom, mon mot sous ma TV, qui ont les bas ni me te payer, n'est pas sous neuf. Et quand il tombe, laissez-nous essayer. Sous ma TV, Yoruba, et ma vous, Aniboubéba, qu'est-ce qui m'a pris quand tu payes, n'est pas sous neuf. Alhamdouléla, au salat au salam, à la rousseau, Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur la maladie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et son décès. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam poursuivant son serment, son dernier serment adressé à ses compagnons, en disant ceci, un serviteur d'Allah a été mis au choix entre la vie ici-bas et l'au-delà. Tout le bonheur d'ici-bas, l'argent, le poste, la belle vie, tout ce qu'on peut avoir pour passer une vie grandiose sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala a présenté cela à un de ses serviteurs en lui disant tu as tout ceci à ta disposition et tu as même la possibilité de vivre longtemps comme tu le veux. Tu, es, tu as le choix par rapport à ça. Et de laisser cette vie et retourner vers ton Seigneur et d'aller continuer ta vie dans l'au-delà. Mais ce dernier n'a pas vu aucune importance pour la vie ici-bas. Et le fait de continuer à vivre sur cette terre lui paraît quelque chose d'inutile. Et il a préféré retourner vers son Seigneur. Le prophète Muhammad n'a pas encore fini de livrer. Ces idées, lorsque Abu Bakr s'est dégradé Allah s'est fondu en larmes. Et il a commencé par pleurer, par couler de larmes. Les autres compagnons n'ont pas compris. Ils pensaient que c'est un parabole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire. Mais Abu Bakr qui est le meilleur ami du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a bien compris l'enseignement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire passer et le message que le prophète a voulu passer, fait faire passer puisqu'il est son meilleur compagnon, il connaît tous les signes, les signaux de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bakr a compris que c'est le prophète est venu leur annoncer sa mort. C'est à ce moment que le prophète Muhammad alayhi wa sallam a demandé de fermer toutes les portes qui mènent à l'intérieur de la mosquée à part la porte de Abu Bakr de allah ta'ala Ta'ala. Et il annonce publiquement que Abu Bakr et son bien est son bien-aimé et le plus proche de lui. Et le prophète dit, si j'allais prendre quelqu'un comme étant mon ami intime, collé à moi dans tout, J'allais prendre Abu Bakr. Mais je suis déjà l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas possible d'avoir une intimité sincère à deux choses à la fois. Allah m'a déjà pris comme étant son ami intime. Et moi-même, j'ai pris déjà Allah comme mon ami intime, il m'est difficile maintenant de cumuler Allah et Abu Bakr dans mon cœur. Raison pour laquelle je ne peux pas l'avoir en matière d'intimité absolue. Mais s'il m'était permis, personne n'occupe cette place à part Abu Bakr Siddiq. Quand taala an. Tout ceci lors de ce serment. Le prophète, après cela, est rentré chez lui et il a passé à poursuivre la prière avec ses compagnons le lendemain, le jeudi. La douleur et la fatigue a persisté. Et c'est encore durci pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Mais cela ne l'a pas empêché de laisser trois recommandations à ses prophètes, à ses compagnons ce jour. Il n'a pas livré un serment, mais il les a donné trois consignes. Premier consigne. Le prophète Muhammad alayhi wa disait à ses compagnons, écoutez-moi bien. Le péninsule arabe est le péninsule de l'islam. Deux religions n'est pas permis dans le péninsule arabe. L'islam étant la religion de ce péninsule, vous êtes appelés à sortir tous les juifs et tous les chrétiens qui continuent toujours à vivre dans ce péninsule. Deuxième message pour ses compagnons. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recevait les délégations arabes à Médine. Et chaque délégation passait, présenter son Islam, écouter des messages du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et le prophète leur donnait des cadeaux à leur retour. Le prophète a insisté sur l'importance de cette délégation et a demandé de poursuivre, de poursuivre la réception de cette délégation, et de leur réserver des accueils chaleureux et en leur donnant tout ce qu'il avait l'habitude de leur donner. Troisième message, le prophète Mohammed a demandé à faire partie l'armée de Oussama. Oussama qui n'avait que 18 ans. Mais que le fils du, 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 du bien-aimé du prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui est Haritha, son fils, Ousama, que le prophète a mis à la tête d'une géante armée qui devrait se rendre, euh, sur le territoire romain. Dans cette armée, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar et consorts. les grands compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wasallam était compté parmi ceux-là qui devraient participer à cette bataille. Le prophète a demandé à ce que cette armée soit envoyée. Voilà les trois recommandations que le prophète Muhammad sallallahu alayhi a livrées ce jeudi lorsque il a dirigé. La prière à ses compagnons. Le jeudi, là, qui n'est, qui n'est que quatre jours de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa le prophète est sorti pour diriger la prière de Maghreb. Dans cette prière, qui constitue pratiquement la dernière prière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigée, le prophète avait récité Surat Al-Mursalat dans cette prière de Maghrib. Après la prière, le prophète rentra chez lui en attendant l'heure de la prière de Richard. Lorsqu'il est l'heure pour prier la prière de Richard, la douleur a, env... la fatigue et la douleur a envahi le prophète, et le prophète ne pouvait plus se tenir debout. Il a demandé, est-ce que les gens ont déjà prié? Son entourage lui dit, ils ne peuvent pas prier sans toi, les gens t'attendent. Le prophète a dit, mettez-moi de l'eau, dans un bocal. Apportez-le moi pour que je me lave. Peut-être, j'aurai de force pour aller diriger la prière. On lui a apporté de l'eau. Le prophète s'est lavé. Mais après qu'il qu a fini de se laver en voulant se lever, il s'est évanoui. Cela s'est répété trois fois. Trois fois. C'est à la troisième fois, maintenant, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Dites à Abé Bakr de diriger la prière. Informez-moi Abu Bakr en le disant de diriger la prière. Aïcha n'était pas de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mon père, quand il va commencer par prier, c'est un homme qui pleure beaucoup lors de la prière. Les gens ne vont pas entendre bien sa voix de lecture. Omar est là, fort, solide, avec une voix qui porte bien. Laisse-le diriger la prière. Le prophète dit, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha répète une seconde fois. Dites, Le prophète dit, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha répète une troisième fois. Le prophète dit, mais Aïcha, tu veux être l'une de ceux qui ont perturbé Youssef par le passé. Laissez Abou Bakr diriger la prière pour moi. C'est ainsi que Abou Bakr a dirigé cette prière de Richard. et ceci est la première prière que Abou Bakr a dirigée. Et le prophète n'est plus sorti pour aller prier jusqu'à sa mort. Les compagnons qui ont vécu cet événement sont tous soucieux de l'état du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont passé tout le temps dans le souci, dans la douleur. Leur douleur dépassait même tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ressentait. Le samedi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a ressenti un peu de soulagement. Il est sorti pour la prière de Zohar et il a prié avec eux. Le prophète priait assis et Abu Bakr était Derrière lui, les gens priaient de la prière de Abu Bakr. Abu Bakr priait en suivant la prière du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Lorsque les gens ont vu le prophète ce samedi, les gens se sont sentis à l'aise. Ils ont dit, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa est en train de se rétablir. Et ils se sont souhaités la bonne nouvelle et partager cette bonne nouvelle entre eux. Et tout le monde était heureux, joyeux de voir que le prophète Muhammad alayhi wasallam, est venu passer la prière, est venu prier la prière de Zohar avec eux. Le dimanche, un jour avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a fait quelques actions. La première action, le prophète a fait franchir tous ses esclaves il a demandé l'ordre de les libérer tous et de leur donner la vie et chacun est libre parmi tous ceux-là qui faisaient partie des esclaves qui étaient au service du prophète Mohammed. Deuxième acte que le prophète a pris, le prophète avait sept dinars avec lui. Le prophète a demandé qu'on lui amène ces sept dinars et il a fait don. Il a fait au monde avec ces sept dinars. Puisque le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa Wasallam sait déjà que les prophètes n'ont pas d'héritage. Il n'a rien à laisser à ses héritiers, puisque c'est lui-même qui a dit, nous, <médicatrice> les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes, on ne nous hérite pas. Alors, on n'a pas d'héritage qu'on va partager après nous. Tout ce que nous laissons, c'est une aumône. Alors, le prophète a pris soin de faire lui-même ses au monde avant sa mort. Les armes de guerre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui, le prophète les a partagées aux fidèles musulmans. Ceci, c'est le dimanche. Le matin, très tôt, du lundi, 12h 11 11 onzième année de l'égir, à l'heure de la prière du subh, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a soulevé les rideaux de sa maison et il a vu Abu Bakr devant et ses compagnons Derrière lui En ligne En rang Pour pouvoir Prier la prière de soum Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A soulevé le rideau Avec Un sourire Profond Un grand sourire Les compagnons l'ont vu, et ils étaient tous contents, tous joyeux de revoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont senti en lui qu'il s'est déjà guéri et qu'il est en bonne santé. Et les gens étaient tellement troublés et qu'ils pensaient que le prophète allait sortir pour diriger la prière. Parce que sur l'état qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu un sentiment de maladie en lui. Ils ont constaté que le prophète est entièrement guéri. Lorsqu'ils sont troublés en voulant céder la place au prophète Mohammed pour venir diriger la prière, le prophète les a fait signe. Poursuivez votre prière. Poursuivez votre prière et surveillez de Abu Bakr ta'ala. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fermé le rideau et il est retourné dans sa chambre. Les compagnons après la prière se sont dispersés. Ils se sont sentis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa est déjà guéri, il est en bonne santé. Abou Bakr est parti dans son champ pour ses activités. Mais plutôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa à l'heure de Doha, a fait appel à sa fille. Fatima. Lorsque le soleil s'est bien levé, le prophète a invité sa fille, Fatima. Lorsque Fatima est rentrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Fatima de se rapprocher de lui. Fatima s'est rapprochée et le prophète lui a parlé discrètement dans son oreille. Et Fatima a commencé par pleurer. Le prophète Mohammed lui a dit, reviens. Elle est revenue. Et le prophète lui a encore parlé discrètement sans que personne n'entende ce qu'il a dit. Et le prophète lui a dit, ne forme personne de cela. Même si tu vas l'informer pas maintenant. Et, et Fatima s'est éclatée de sourire. Aisha nous dit, après la mort du prophète Mohammed, nous avions demandé à Fatima, qu'est-ce que le prophète a dit Elle a dit, le prophète. Lorsqu'il m'a parlé premièrement, il me dit que je vais mourir de cette maladie. Je ne vais pas survivre après cette maladie. Et je me suis fondu en larmes. J'ai commencé à pleurer. Et le prophète m'a invité une seconde fois pour me dire :« Ceci, tu seras le premier membre de ma famille à me rejoindre. » Cela m'a donné une, une grande joie parce que qu'est-ce qui me reste sur la terre si le prophète est parti Ça, c'est le prophète. Ça, c'est ceux qui n'ont pas, pas été créés pour ce bas monde. Ils sont créés pour l'au-delà. Ce qui fait que Fatima était heureuse d'entendre de son père ceci, puisque ils ne sont pas des hommes, des autres comme nous. Le paradis est garanti. Mais nous, on ne sait jamais. Peut-être, lorsqu'Allah va nous prolonger davantage, on pourrait mieux faire. C'est pour cela, c'est un, un pédis à, à, à son enfant de nos jours. Ça ne pourra pas être accepté, mais le prophète est mieux placé pour le faire. Pour votre information, Fatima n'a passé que six mois après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait appel après cela à ses épouses. Il les a enseignés et les a donné les bonnes conduites. À avoir. Et Fatima disait, lorsqu'il voit le prophète Muhammad alayhi wa sallam, souffrant, il dit vraiment, c'est quelle douleur pour mon père. Le prophète, le prophète lui dit, c'est la dernière douleur pour, pour lui. Il ne va plus jamais connaître une douleur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa à cet instant a commencé par sentir plus de douleur et sa voix s'est rabaissée et on entend difficilement sa voix. C'est là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa livre ses derniers recommandation à sa communauté et le prophète dit la prière la prière et tout ce qu'Allah tout cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous votre responsabilité c'est le dernier enseignement du prophète la prière la prière et tout ce qui sont sous vos responsabilités voilà ce que le prophète a dit dans ses derniers mots et le prophète s'est appuyé sur le, genou de Aisha. Et comme Aisha nous l'a dit, il y a un compagnon qui était rentré avec, et qui avait un cuidant, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, et le prophète a fait signe, et je lui ai donné le, le cuidant. C'est, il s'est brossé proprement. Il, est, il 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 a mangé le cuidan il a nettoyé bien sa bouche puisque le prophète sait que il veut rencontrer son seigneur et il veut toujours être propre pour sans son seigneur c'est à ce moment à cet instant que l'angoisse a commencé et le retrait de l'âme du prophète mohammed sallallahu wa sallam, a commencé par l'ange de la mort et qu'est-ce que le prophète dit Le prophète dit la ilaha illallah inna lil la sakarat. Il n'y a pas de Dieu que, que Allah, en Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala la mort a de l'angoisse. Le prophète répétait ceci le prophète répétait ceci jusqu'à ce que l'ange de la mort retirait son âme et le prophète Soulevait son son doigt son en disant ceci aulaiika ma'al ladhin an'ama Allahu alayhim ma'al minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' wa salihin wa hasuna ula'ika rfiqa cela sont avec les prophètes les véridiques les martyrs les vertueux et le prophétie Allah Allah Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde. Et fais-moi rejoindre le compagnon suprême. Fais-moi rejoindre le compagnon suprême. Fais-moi rejoindre, fais rejoindre le compagnon suprême. Et c'est le dernier mot du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Il est retourné. Vers le compagnon suprême qui est Allah subhanahu wa taala. Nous poursuivons, inshaAllah, lors de notre émission prochaine, le lavage du prophète, le choix de celui qui va succéder le prophète qui est Abu Bakr. Nous en parlerons, inshaAllah, lors de notre émission prochaine. Qu'allah guide nos pas vers le droit chemin.